bien que l'idée initiale avait été évoquée lors de nos études, ça nous a permis de rechallenger encore le projet et de vraiment de consolider nos connaissances sur plein de domaines. Quand on est arrivé au début, on avait une vision assez large de ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas précisément comment on allait le mettre en place. Les 3-4 mois d'incubation chez Incubactive nous ont vraiment permis de recentrer le projet et d'être beaucoup plus précis sur certains points, notamment pour ma partie, la stratégie commerciale. On savait vraiment où on devait aller et pourquoi. Ça nous a également permis de décrocher des prêts à la banque. Et heureusement, puisqu'on est parti avec beaucoup plus d'argent que prévu, et c'était vraiment nécessaire pour le lancement de la marque. Aujourd'hui, Kirby a 2 ans, donc cette année, on a lancé une nouvelle gamme qui est produite localement, et ça, on en est super fiers. Donc on a reformulé toute notre gamme et on a redesigné également tout l'univers graphique de la gamme, donc qu'on peut voir ici maintenant. Aujourd'hui, on a plus de 300 points de vente partout en France. 350 bientôt, on commence à attaquer l'export pour la fin d'année, donc sur toute l'Europe principalement. À la rentrée prochaine, on accueille 4 nouveaux alternants qui vont pouvoir nous aider dans plein de sujets, que ce soit en communication, en commerce et également en développement de produits. À l'avenir, pour Kirby, on a vraiment la volonté d'être expert en soins solaires bio en France et également à l'étranger. Notre champ d'action, ça va être préparer la peau au soleil, la protéger et la réparer. On peut assimiler à ça, par exemple, à des infusions ou des compléments alimentaires pour préparer la peau au soleil, des produits solaires pour la protéger, et ensuite des compléments alimentaires et ou infusions pour prolonger le bronzage et tout ça pour toute l'année. Qu'on puisse vraiment aider les gens à se protéger avec des produits respectueux de leur santé et également de l'environnement. Vraiment de s'entourer, la persévérance et le travail à long terme également. Voilà, on part pas pour 6 mois, 1 an, on part peut-être pour 10 ans. C'est important d'avoir son idée, mais c'est aussi important d'écouter les conseils des autres et pouvoir re-challenger ses idées. Parce que c'est en s'entourant des bonnes personnes qui ont une expertise au final qu'on va pouvoir créer vraiment un projet viable et qui a vraiment toutes ses chances pour réussir. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés à construire le projet de Kirby. On ne serait pas là aujourd'hui sans eux. Donc ils ont vraiment permis de vraiment aboutir le projet, vraiment aussi reposer des bases qu'on n'avait pas, vu que nous on sortait vraiment de l'école. Donc bon, voilà, on arrivait vraiment dans le milieu professionnel. Et de toute façon, c'est pas fini. Et voilà, le but c'est de continuer à créer quelque chose de grand ensemble.